Enfin, les cours sont terminés. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire maintenant? Vous voulez pas qu'on aille à la bibliothèque pour pouvoir réviser un petit peu avant les examens de fin d'année? Oh non, pas les examens de fin d'année, c'est bon, hein, on a encore le temps. Allons nous amuser plutôt. Tu as une idée en tête, Carla? Pas vraiment. Vous voulez pas qu'on aille, je sais pas moi, au bowling, au cinéma? Je veux pas faire la rabat-joie, mais comment te dire que j'ai pas beaucoup d'argent moi, hein? Parce que bon, c'est pas comme si l'université nous donnait beaucoup d'argent. La bourse, c'est vraiment à peine suffisant pour payer mon loyer et mon électricité, ainsi que mes fournitures scolaires. On a qu'à aller à la plage! C'est gratuit! Et en plus, il fait beau aujourd'hui, autant en profiter. Comme ça, on pourrait tremper un peu nos pieds. Tu as raison, il y aurait peut-être même des PG sur place. Ok, je suis partante. Mais on y va comment? Il me reste de l'essence dans ma voiture. On peut y aller en voiture. Bon, venez, je vous emmène. J'espère que vous me rendrez l'appareil, hein. Venir à la plage, c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce qu'il fait beau? C'est vrai, il fait beau. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud? Je mangerais bien une glace. Ah ouais? Bah ça tombe bien, regardez, il y a le vendeur de glace ici. Enfin du coup, la vendeuse de glace. On va chercher une glace, les filles? Ah ouais? Attends. C'est vrai? Mais j'ai pas de sous, là. Ah ouais, t'as pas de sous? Ben, pour toi, ce sera une prochaine fois. Mais je t'avoue que moi, désolée, je vais aller me chercher une glace. Ça me fera du bien. Vous êtes sérieux, les filles? Vous voulez pas me dépanner 2 balles pour une glace? Tu viens, Shayla? On va chercher une glace. Désolée, hein. Mais comment te dire que, ben, la seule monnaie qui me reste, c'est pour prendre le bus demain. Et toi, Shayla, tu peux me dépanner 2 balles? Moi aussi, j'aimerais bien manger une glace avec vous. Désolée, mais comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Moi, je prête pas d'argent. Mais elles sont sérieuses? Pour 2 balles, franchement? C'est n'importe quoi. Et je vais faire quoi, moi? Je vais les regarder manger leur glace? Si elles veulent se la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Les 2 balles qu'elles m'auront pas filées, dans tous les cas, elles vont l'utiliser pour prendre le bus. Je rentre chez moi. Elle est passée où, Diana? Comment ça, elle est passée où, hein? Elle est sur la serviette de plage. Quoi? Elle a dû aller aux toilettes. Mais où est sa voiture? Salut les filles. Je savais que vous alliez travailler à la bibliothèque. Et je me suis dit donc, comme vous savez, j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me filer votre devoir de français, s'il vous plaît? Ah bon? On avait un devoir de français? Quoi, tu l'as pas fait? Et Carla, tu peux me le filer, s'il te plaît? Parce que là, dans 15 minutes, on a cours et... Et j'aurai jamais le temps de le faire. J'aimerais bien, tu vois, mais je l'ai déjà prêté, donc voilà quoi, désolée. Ah bon? Et tu l'as prêté à qui? À Jessica. Quoi? Mais on a même pas de Jessica dans la classe, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai, mais bon, tu sais, hein, notre professeur, elle a plusieurs classes et Jessica fait partie de notre classe qu'ils ont eu exactement le même devoir. Donc je lui ai prêté. Ah ouais, ça se la joue perso ici, hein. D'accord, d'accord, je retiens. Salut les filles, vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Vas-y, raconte. Bah, en fait, je voulais faire un selfie méga stylé dans la piscine. Et du coup, je voulais le faire sous l'eau avec mon téléphone. Et bah, j'ai pris la photo et tout. Et en fait, mon téléphone ne marchait plus. Attends, mais t'as pas un téléphone qui va sous l'eau? Ben, je pensais que si. Et puis au final, quand je suis allée vérifier, non, il est pas waterproof, mon téléphone. Du coup, j'ai bousillé mon seul téléphone. Donc je voulais te demander, Diana, tiens, vu que t'as changé de téléphone récemment, est-ce que tu peux me filer ton ancien téléphone, s'il te plaît? Je suis vraiment désolée, mais mes parents m'ont demandé de le filer à mon petit frère. Comme ça, il a son premier téléphone. Ah, ok, bon, bah tant pis, je vais essayer de supplier mes parents pour qu'ils me rachètent un.
Bonjour monsieur. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Eh bien, ce serait pour revendre mon vieux téléphone. Comme j'ai reçu un nouveau téléphone, j'aimerais bien me débarrasser de celui-là. Est-ce que vous pouvez me le reprendre? Oui, bien sûr. Alors, c'est le modèle X47. Je peux vous le reprendre d'occasion. Bon, comme il est un petit peu rayé, vous comprenez, hein, je peux vous le reprendre à 5 euros. 5 euros? C'est tout? Ah oui, hein, vous savez, hein, aujourd'hui, les téléphones, les nouveaux modèles sortent tellement fréquemment que les anciens modèles perdent de la valeur très rapidement. Mais bon, vous savez, hein, si vous allez chez la concu, ils vous le reprendront 3 euros. Hein. Nous, on vous fait des prix imbattables. Ok, bon bah, allons-y pour 5 euros. Au moins, la prochaine fois, à la plage, je pourrais m'acheter une glace. Et avec 3 boules. Salut les filles. Alors, on commence par quel cours? Je sais plus, je suis en retard. On a mathématiques, mais tu sais, il y a le prof de physique qui te cherche, tu devrais aller le voir. Oh non, c'est vrai, je devais lui donner le devoir que j'ai oublié. Oh mince, j'y vais. Tu penses qu'on devrait lui dire qu'elle a oublié d'enlever son masque à l'argile? Je pense qu'on devrait, mais c'est tellement drôle. De toute façon, elle va bien s'en rendre compte. Carla, Diva, j'aurais une question un peu indiscrète. Oui, Jordan, je t'écoute. Mais prends pas trop de mon temps, s'il te plaît, parce que j'ai mes copines qui m'attendent. Oh mon dieu, tu as vu? Y'a Carla qui est en train de discuter avec Jordan, c'est trop genre mon crush. Je rêve de sortir avec lui depuis au moins la maternelle. Sérieux? Elle lui parle? Ah ouais? Tu penses qu'ils sont en train de se dire quoi? J'aimerais savoir si Diana, elle est célibataire ou pas. Parce que, ben, je crush sur elle au moins depuis la maternelle, et comme t'es son amie, et comme nous deux, on se connaît comme on est voisins, je voulais te demander, avant de sauter le pas et de l'accoster. Oh, tu sais, Diana, oui, bien sûr qu'elle a un copain, hein, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, alors laisse tomber. Ah bon? Pourtant, je l'ai jamais vue avec un garçon. Oh, c'est normal, hein, parce que son petit copain, il travaille déjà, tu sais, il est déjà dans le milieu de la finance, il se voit, mais en dehors de l'université, bien évidemment. Mais lâche l'affaire, et puis de toute façon, t'es pas son genre. Ok, bah je te remercie quand même, parce que au moins, je me serais pas ridiculisée. Y'a pas de soucis, bon, je vais rejoindre mes copines. T'as parlé avec Jordan? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Là, doucement, Diana, ne m'agresse pas non plus. Ah, pas grand-chose. Allez, là, fais pas genre. Dis-nous, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Bon, d'accord. Oh là là, vous kiffez les potins, vous les filles, incroyable. Bah, il m'a juste dit qu'il avait rencontré une fille, et puis voilà. Et qu'il avait certainement, par la suite, une nouvelle petite copine. Oh non, quel dommage. Moi qui pensais aller lui parler parce que, ben... J'avais envie de transformer mon crush en mon petit copain, et ben tant pis. Tu sais que Jordan, c'est mon voisin, je vais déjà parler de toi, mais t'es pas du tout son type. Je vais à la cantine pour me goinfrer et oublier mon malheur. A plus tard les filles. Et c'est qui cette fille à qui s'intéresse Jordan? Bien sûr que c'est à moi qui s'intéresse, une aussi jolie fille que moi, mais bon, comme tu sais, je suis une meilleure amie parfaite. Bah, je lui ai dit que entre nous, ce serait pas possible. C'est ce que je veux dire, je voulais pas, tu sais, être la copine du crush de ma copine, quoi. T'as capté. T'es vraiment une meilleure amie en or, toi. J'ai discuté avec Jordan, et tu sais quoi? Il m'a raconté ce que t'as dit. Pourquoi t'as menti? Je te rappelle que toi, tu nous as abandonnés sur la plage, comme des malpropres. On en parle du fait qu'il y a aucune des deux qui m'a dit que je suis venue avec mon masque à l'argile à l'école. Ça par contre, hein, ça vous intéresse pas peut-être? Ouais ben, vous m'avez lâché pour 2 balles quoi. 2 balles, au lieu de me prêter juste 2 balles. Et toi Sheila? Hein? T'es pas toute propre non plus, hein? Moi? Et on en parle du devoir, hein, de français. Bande de menteuses. Ouais ben, j'en ai marre à chaque fois de devoir vous filer mes devoirs parce que vous vous foutez rien. Et toi Diana? On en parle de ton téléphone, hein? T'as préféré vendre ton téléphone 5 euros au lieu de me le filer. Attends, mais comment tu sais ça, toi? Parce que le vendeur de téléphone, c'est mon grand frère et il m'a dit que t'étais passé. A few moments later.
Maintenant que j'ai 5 balles, est-ce que ça veut dire on va manger un tacos? Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi on se tape alors qu'on pourrait aller manger un bon tacos et se raconter les meilleurs potins de la semaine? Ouais, c'est une bonne idée. J'ai un peu la tête qui tourne, mais allons-y.